Comme qu'un grand politicien a déjà dit, le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Je vis ici, je meurs ici. It's the place to be. Joyeuse fête du Québec! Yeah! Yeah! Aujourd'hui, en tant que cette journée du Québec, nous allons finir le donjon. On va finir le donjon de on va finir le donjon de foudre. Mais pour se mettre dans le mood, là, Link est en bleu, j'ai fait un bouclier de glace, il y a une épée de glace, c'est malade, tout est en glace. Comme le Québec, on est tous gelés. C'est pas ça que je voulais dire. Fait que, ok, fait que je viens d'ouvrir la porte ici, on va utiliser ça ici. Je trouve ça quand même très cool, la cape, genre... Je me regardais vite dans le preview, puis je suis comme, ah ouais, j'ai de la gueule avec ça, genre, wow. J'ai de la prestance, le monde, genre, ils vont être comme, oh wow, c'est-tu comme le dieu du Québec? Là, j'ai tellement les yeux, genre, qui me sont fuckés à cause de ça, mais c'est cool. Genre... Fait que, pour mettre dans... Chou, moi. Bon, ben, guess que je suis rendu ici. Pas là, je m'en allais, mais c'est correct. Salle de la gloire. Ok. Est-ce quelque chose que je peux faire ici? Non. Je peux-tu grimper là-dessus? Non, c'est pas grimpable. Ok, ça... je m'excuse, là. Mais... Ah! Il y a eu le piton. Ok. On va le mettre de même parce que là, mes yeux sont en train de freaker ben red. Ok. Mais je suis curieux de voir si je peux pas, genre, juste rentrer par un... par en dessous. Mettons, je m'en viens me statcher ici, là. Comme ça. Ah. Justement, là, ici, là, y a-t-il une façon que je peux rentrer dans cette pièce-là? J'imagine le jeu y a pensé. Ok, fait que ça, ici. Riju est rendu où? Ok. Putain, je vais essayer de quoi? Ok, ça de même. Non, ok, il n'y a rien à faire avec ça. By the way, là, j'ai aucune excuse à dire genre. Tu sais, on est rendu une journée différente, pis genre, je suis perdu, là, comme pour vrai, comme. Je viens de finir la vidéo puis je suis déjà perdu, je sais pas où... Ok, je suis à la bonne place. Là. Ok. En attendant, je flex ma cape. Québec! 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 C'est moi le Ganondorf du Québec! Doria! Ok. Désolé, je me laisse emporter, là. Ok, fait que je suis ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, pète-moi le visage. Ok. Ça... quelque chose genre de la lumière ou whatever qu'il faut que j'active. Y'a-tu un sous-sol à ça? Non, pas de sous-sol à ça, mais je peux monter très très haut. Ok. Maintenant, partir d'ici. Je suis curieux de où ça m'amène. Ok, c'était pas l'effet attendu, mais c'est correct. On va finir toutes les puzzles avec ça aussi, tant qu'à faire, tant qu'être ici, là, au lieu de revenir à chaque fois. Ça m'envoie... ça envoie lui ici. Vers le haut. Ok. Ah,
J'imagine que je peux diriger. Ouais, ok, non, ça me donne pas grand chose de faire ça de même. Hein. Ok. Bon, je suis revenu ici. Rien pas en tout. Ok, partir du site. Ok, il y aurait celui-là ici. Que peut-être. Puis j'ai pas. Pour le fun, j'ai pas de projecteur, hein? Non. Si je pitch un fruit de clarté, peut-être? Ah, ok, c'était pas assez longtemps. Ok, ça fait que ça marche pas mon idée. Ok. Je checkais à voir des fois que ça aurait fait de quoi de spécial. Bon. J'ai pas de miroir qui traîne. C'est cette. Ok, c'est en plein où j'étais. Ok, fait que ça ici, ça serait peut-être une bonne place à aller. C'est ici. Comme ça. Ok, bon. Ah, bon. Puis ça, on va les aligner un dans l'autre. Ok, je vois. Ok. Mais là, il faut que j'attende encore pour qu'il fasse le deuxième, dans le fond. Ok. Oh. Ah oui, c'est vrai, guys. Québec, ouais! Comme peut-être le pire Québécois qu'il y a pas. Non, je suis pas le pire. Je suis pas le pire. J'aurais probablement voté oui quand même. Rien à faire. On ne pourra pas se glisser à travers. Genre, ça vous tente pas de me donner des vrais puzzles? Genre, je mentirais pas que comme, je suis juste un peu comme, bruh. Genre, c'est cool, là, mais comme, c'est comme tellement trop dramatique pour qu'est-ce que c'est, là. Vas-y. Frappe-moi.
Bon, frappe-moi pas au pire. Parfait. Suicide. Ok. On va utiliser Babil. Ok, pour un miroir, mais il y avait déjà un... Ah ok, c'est un bouclier miroir techniquement. Ok. Ça, je vais pouvoir... Ok, non, je peux pas le... Babil, 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 Babil. Non? Bah. ok, ok, je vois. Ok. Ah, ok, ok. J'imagine que c'est vraiment juste pour faire tenir mon miroir. Ok, c'est bon. Bah. Moi qui se compliquait la tête pour rien. Ok. Ok. Ah, dans le fond, j'ai pas besoin des pieux. Pourquoi qu'ils me mettaient des pieux? By the way, oui, j'ai un coup. C'est pas parce que ma cape est vraiment grosse que j'ai pas de coup. J'ai un coup. Genre... Intimidez-moi pas parce que genre j'ai l'air de pas avoir de coup. Je prépare mon arc. Ah, ça va-tu bien? Ça va-tu bien? On va même se prendre un autre petit Bobby Mo. Puis on va même genre souffler là-dedans. Malade. Si tu... Oh! Oh! Ben, let's go. Je trouvais que deux, c'était vite. On va y aller pour trois. Oh! Mon stamina mange plus vite. Ça mange plus vite, par contre. L'autre bord, ok. Par là. Mais ça, c'est barré ici. Ok. Ah. That's it, ok. Ah. Peut-être j'ouvre le passage à Riju. Allez, Riju! Link est comme moi, il est pété sa capine. Lui là, il est pété ben raide. Hey, ça mérite un autre... Très bien! Plus qu'un accumulateur à charger. Il sonne même plus, genre, c'est trop fort. Ben, vas-y mon pété de caféine. Là, le dernier, deuxième étage. Fait que je veux monter tout en haut. Presque tout en haut pour activer ça et ça. Ok. On va aller se mettre en dessous.
Ah, ok, ouais, non, j'avais raison hier de couper ça. De couper ça court parce que sérieusement, genre, je regarde ça, puis je suis comme. On est déjà à. Une vingtaine de minutes, le temps qu'on fasse le dernier. Le temps qu'on active le dernier shit, le temps qu'on batte le boss, pis tout ça, là, on va être dû. Ok, ça fait que là, je suis revenu ici, c'est trop. Fait que. On redescend ici. Ok. Ah, c'est exactement ça. Ok. Arrête de grimper, Link! Oh, oh. Ok. Rijou! Rijou! Théo Rijou! Ah, ok, t'es spawné. Prépare ton arc, Link! Malade. Et voilà, tous les accumulateurs sont chargés. Faudrait juste pas que je bouge trop puis que ça pète la tour de Bobli. À présent. Non, ok. Je sais pas qu'est-ce que le monde y chialait, mais genre le temple d'électricité y est hot. Puis le boss y a de l'air cool. Je pense pas que ça bat le temple devant, mais le temple il est très bien. Faut dire aussi que genre mon expectation était très basse là, vu que tout le monde m'a juste dit ah, le temple de fou de. Peut-être un peu court, peut-être comme. Ouais, il est peut-être un peu court. Mais. Tu sais. Autre le fait qu'il est court. Tu sais, il est stylé. L'esthétique du donjon est. Bon. Malade. Tiens, Link! Tiens, Link! Oh ouais, il pète la gueule! Ouais! Wouhou! Gorgé de Bobli! Bon. Elle ne peut pas nous échapper! Il faut la coincer! Ok. Non. On allait utiliser. On va. Regarde, on va péter tout nos shit. Ok, on va se nourrir avant qu'elle nous tape dans la face puis nous one shot kill. Ouch! Link, il faut que tu te soignes! No fucking shit! Non, je vais rester no life! Oh, ouais, vas-y, vas-y. Ouch. Link, soigne-toi! T'es encore en train de mourir comme une merde! Oh oui, menum! Juste pour Chad! Ah! Je te tire dans le putain de genou! Ah! Link, Chad, soigne-toi! Arrête de niaiser, Link! Nourris-toi! Oh! Oh, Link! Oh, Link! Ah! Et c'est alors que Tifel se pète une grosse psychose! Le Québec, c'est la place que j'ai choisie! Je vis ici, je me refuse, the place to be! Y'a du bon monde partout, y'a du bon monde! Oh, ouais! Oh, ouais, vive le Québec libre! Oh, ouais! Trop méga génial, quoi! Mais meurs! Ok.
J'ai complètement pas évité son coup. Oh ouais. Oh non, pas des Gibdos, putain. Elle invoque des créatures maléfiques, Link. Il va falloir que tu lui pètes la putain de gueule. Moi, je m'en fous. Si moi, c'est elle que je veux péter. On va se nourrir avec ça. Ouch. Tu me niaises, hein? Va te faire foutre. Tiens, on va abuser de ça. Tant qu'à voir ça, là. Ok, ok, je pourrais peut-être pas juste les laisser faire finalement. Tiens. Il faut que tu te soignes. Ok, ok. Là. Si ça te. Je peux-tu juste tirer ça à terre? Faire du. Ouais, parfait. Ok, tu es sept. Ouais, mais c'est du gros n'importe quoi, hein? Ok. Ah, attends, si je peux-tu péter? Oui, ok, je vais péter. Oui, ok, il faut que je pète les nids. Ok, ok. J'suis genre, fuck that, je me sers de rien tout ça, mais genre, je viens de catcher qu'il faut que je pète les nids, il faut que je pète les nids. Ah, oh, ouais, ouais. Oh, Québec. Ça me fait pas la caféine. Ou en fait, ça me fait trop bien. Ok, mais encore une fois, genre, finalement, c'est le boss de foot le plus difficile. Genre, il est legit le fun à battre. Il faut que tu te soignes. Ok. Là, ça mérite qu'on fasse flasher ça, là. Si je trouve le piton. Oh, ouais, let's go. On passe en mode sérieux, les amis. Le Québec a besoin de nous. Ok, ça. Ok. On peut peut-être se servir de ça. Cette lumière. Oh, ok, ah, oh, c'est vrai, c'est des re-dead, fait que comme, ils trippent pas sur le soleil, c'est pour ça, que c'est comme le bout de la merde, puis que genre, ah, oh, fait qu'il y aura plus de guide d'eau, ok, confirm. Bon ben, ok, Reju. On va toutes les péter tout de suite, ça va être fait. Allez, Riju. Ok, 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 go, 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 go. Bon! Alright! On va rester ici. On va attendre que Riju récupère son lightning, puis je vais péter le boss. Là, elle est rendue où, la queen? Ouch! On va se healer comme du monde.
Ok, mais elle résiste à... Ok, c'est bon à savoir, elle résiste à la... à la lumière. Ouch! Mais moi, je vais rester à la lumière pour pas que les autres... les autres Redead me tuent. Ok. La gang de ses couleurs. Ok. Ouch, 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 ouch. J'avais des lunchs de 6. Ok. C'est ça. Parfait. C'est super. Malade! On est rendu à 10 cœurs? 10 cœurs? Oh yeah! Oh yeah, bébé! Ben, sorry not sorry, mais c'est comme... Je pense que c'est un des meilleurs temples. C'est un des meilleurs temples. Un des meilleurs boss, un des meilleurs temples. Rien de plus à dire. Ok, je saute des étapes là. Je parle à Rijou. J'échappe mes affaires. Descendante, toi qui as hérité de mon sang. Oh, je reconnais cette voix. C'est toi qui nous parles depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Link, oui, doit t'écœurer. Je suis ta très lointaine ancêtre. Une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule. Mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante. La fierté des Gerudo. Eux autres, ça leur tentait pas d'être là il y a 100 ans, non? C'est bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Oh, et je veux un autre flashback qui explique genre la même histoire que les trois autres auparavant. Let's go. Qui a décidé du destin de notre peuple. Ces événements remontent à un passé lointain. Ok, là je vais focusser sur le fait que genre... À l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Ok, fait Goron... Ok, les quatre sont là. Maléfique s'abattit sur le monde. C'est ça, il y en a, y en a un autre à côté de Roro pis Zelda. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de six guerriers dont je faisais partie, Raoru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face.
il avait remis à chacun de nous qui nous aiderait dans notre combat. Fait que ce serait lui le cinquième sage, ok. Le pouvoir de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. 4. Celle de 5. Les attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Rauru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du sceau. Oui, c'était vraiment ça, la guerre du sceau. C'était la guerre du sceau. Quelques temps plus tard, je reçus la visite de l'un des six sages. Zardus. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Sage de foudre, veux-tu être le chevalier protégeant le chevalier? Genre, oui, j'allais bien. Le sceau finira par se briser, et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre. Offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant, je suis ce qu'il me fallait faire. Pao! Plus que tout la chute du roi démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi démon verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier. Merci! Ça mérite un petit peu. À présent, vous savez tout sur la guerre du sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo. Mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante. Je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée aux sages du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link et combat à ses côtés. Ma manette à vibre. Gna gna gna. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Car à toi, roi démon, moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Allez, la pierre de cul. Des tests en ce moment parce que dans le fond genre probablement quand on va faire le live des 300 abonnés là le micro va être comme tenu de même puis je vois que ça capte bien mais ouais non c'est ça fait que 300 abonnés guys merci encore mais je vais pas plus vous emmerder avec ça là on va attendre que ça soit fini avant que je fasse le gros message des 300 abonnés mais c'est pratique voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Ouais, tu dis ça, pis genre, aussitôt qu'on va te sortir de là, aussitôt qu'on va te sortir de là, tu vas rester dans ton village pendant que moi, genre, je vais voir ton fantôme qui va m'aider. Ah shit, il est trop tard, je voulais parler d'anecdotes de Saint-Jean-Baptiste pis tout ça, pis j'y ai pas pensé.
Genre comme quoi qu'il y a une année où que genre je me promenais dans des rues genre à boire genre de la bière aux pommes pis aux poires pis c'était malade. Fait que ah! Oh, il me manque cette bague là, je vois, c'est super. Tant que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens, on nous attend à la cité. La cité collégiale. Le cégep de l'Ontario. Mais ça me semble en Ontario, la cité collégiale. Je sais pas, je peux aller au cégep! Wouhou! Je suis pas en train de shame le cégep, genre, ceux qui veulent aller au cégep pis qui savent ce qu'ils veulent faire, genre, cégep, allez-y. Ceux qui savent pas quoi faire pis qui s'en vont au cégep, s'il vous plaît, genre, faites juste pas trop le party, comme, profitez-en, là, mais, comme, perdez pas trop de temps au cégep. C'est des années que vous pourriez, genre, travailler ou peut-être faire un DP ou whatever, genre, si vous savez pas quoi faire rendu au cégep, là. Ou sinon, peut-être travailler à savoir plus fort ce que vous voulez, là, mais... Ah, called it, y'a plus de brouillard. Là, c'est drôle parce que, comme le monde d'hier au live va être comme. Ah, oh, t'as déjà battu le donjon, mais pourtant t'es sur un cliffhanger. Je vous ai joué un tour. Ah, oh, c'est stylé, c'est stylé. Merci, Link. Grâce à toi, c'est un concours. Gna, 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 gna. Ok, go, 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 go. Oh! Oh! Je mentirais pas que mon café fait plus effet, là. Tu dis que tu t'es rendu au village Piaf, au village Goron et de Menzora. Voilà qui devrait intéresser les troupes du fort de Guet. Tu devrais aller leur faire un rapport. J'espère que ton... Ok. Ok, on va juste aller voir vite vite c'est quoi qu'elle me parlait de la tour de Guet. Vous devez enquêter les quatre régions. Attends, je vais juste fermer la caméra deux secondes. Ok, il faudrait que je revienne au... Ok. Hello, hello! Fait que, guys, c'était mon spécial de la Saint-Jean-Baptiste! Wouah! Malade! Fait que, à la fin de semaine, pas d'upload. Je sais pas. Toujours pas si je vais faire des vidéos encore la fin de semaine. J'ai un été très chargé en ce moment. Genre, tu sais, je planifiais justement mes fins de semaine pis tout ça. Fait que là, genre, je sais pas trop comment je vais faire ça. Mais c'est sûr que lundi au vendredi, présentement, ça reste sûr et certain. Merci aux 300 abonnés. Pour ceux qui ont pas encore vu les annoncements pis tout ça, samedi, le 8 juillet. On fait un live de 5 heures, 300 minutes pour 300 abonnés. Hey, c'est-tu malade? Ça va être sur Tears of the Kingdom. Techniquement, c'est encore dans 2 semaines. Fait que, tu sais, j'imagine que semaine prochaine, on continue la main quest. Si on va voir la Master Sword aller chercher probablement dans la forêt Korok. On va voir une couple d'affaires à faire encore. Je suis sûr qu'on a encore du stock en masse pendant 2 semaines. Puis le live de 5 heures, ben, il y a encore des régions, il y a des labyrinthes, il y a plein de choses à faire. Puis comme, tu sais, ça va être un 5 heures qu'on va jaser ensemble. Je vais très probablement avoir des invités avec moi. Fait que, tu sais, si vous avez des questions à me poser, des questions à mes invités ou whatever, ça va être super méga cool, trop méga génial, genre, waouh! Fait que, c'était le. Ça fait que,
c'était le spécial de la Saint-Jean. Rien en fin de semaine. Moi, j'étais à Tadoussac. Je fête la Saint-Jean avec mes amis et tout ça. Puis lundi, ben, je reviens. Ça va être le spécial fête à Tiffel. Ça va être rien de spécial. Ça va être juste genre moi avec une tenue genre « Bonne fête, malade! » Fait que... Non, c'est ça. Fait que... Au plaisir de se voir. Puis même s'il y a un live spécial le samedi 8, on fait quand même des lives les jeudis. Fait que, attention à vous autres les amis, puis merci encore infiniment. Là, il va falloir que je me grouille à trouver tout de suite une idée pour 400 abonnés, parce que genre, à vitesse que ça va, genre, je fais 100 abonnés aux 2 semaines, malade. Fait que, attention à vous autres, puis bonne fin de semaine à vous autres, reposez-vous bien, fêtez bien la Saint-Jean pour les Québécois. Pour les Français, si ça vous tente de fêter aussi, là, c'est toujours une bonne raison. Fait que, attention à vous, puis c'est ça. Ah, c'est tout. Bye. Bon été. Ah, puis bon été à ceux qui ont fini l'école, malade. OK, c'est bon, j'ai fini mes annonces. Je peux peser sur stop. Bye.